Côté La Réunion. Et moi, c'est Adélia Kodoki, je sors de La Réunion, instance Innoport. Maintenant, on a atterri ici, en métropole. Et là, actuellement, je suis à Grenoble pour effectuer mon métier d'être chauffeur routier. Je prends le bac. J'ai un BEP commerce, commercial, vendeur, textile et tout. Mon métier maintenant de chauffeur routier et de vendeuse n'a rien à voir que ce que j'étais voulu avant. J'ai voulu changer professionnellement de métier. Alors c'est mon frère là, pour ça moi, fait ce métier-là. Il a mon frère qui travaille au même moment dans la même boîte que moi. Et lui aussi est chauffeur routier. Il a mon tonton aussi qui est chauffeur routier en carburant exactement comme moi. Il passe mon PMI La Réunion, le semi, le porteur et tout. Mon camion c'est un 19 tonnes. Il fait 8 mètres de long. Il transporte du gasoil blanc ordinaire, de l'excellium gasoil blanc aussi, de l'excellium gasoil rouge, un peu plus performant que le gasoil blanc. Il transporte aussi le fuel pour les chaudières, fuel ordinaire ou le fuel premier, le plus performant. Quand on transporte carburant, il passe dans la DA. Les plaques rouges, niveau 3, c'est inflammable. Et il y a aussi les matières polluantes dans la nature. Donc en fait, le produit, s'il dévie dans les goûts ou bien dans les herbes, il mange tout et il détruit tout. C'est typique à DA. Donc c'est une matière dangereuse. Elle est inflammable. Donc du coup, faut pas fumer à côté, faut pas allumer une cigarette à côté. Hein. Sinon, il y a tout sans flamme. Franchement, mes conseils, c'est le jeu de conduire camion, l'adrénaline que Nina, la charge des yeux que Nina. Franchement, c'est une tuerie. Pour un jeu de camion, si le ballon est important et tout, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est à vous de gérer quoi. C'est un camion, un peu comme une voiture, parce que c'est important que Minéna en ce moment. Elle n'est pas pareil. Franchement, c'est une terre inconnue. Les routes que maintenant que je m'effectue, c'est des petites routes des fois à la grosseur de mon camion, entre les falaises et les montagnes et tout. C'est des moments que là maintenant je m'apprécie. Je découvre des choses que je n'aurais jamais vues à La Réunion. Comme je monte Champs-Rousses là-haut, que je monte Villard-de-Lan à une heure de route et tout. Franchement, c'est une bonne expérience. Des difficultés, je me rends compte souvent déjà, parce que il y a une fille et il y a encore des mecs un peu machos de nos jours. Et pour eux, t'es femme, tu dois rester à la maison. Mais non, maintenant, toute femme, il fait un travail d'homme, quoi. Donc, à l'heure du jour du, en fuel en ce moment, mais il est la seule qui le fait. Ça va sur les chantiers et tout. Il croise d'autres filles en porteur, camion, semi, en toupie, en pelé, en granulé. Il fait à moi plaisir de voir d'autres filles dans le même métier que moi, quoi. Il encourage toutes les filles à passer de PMI. Franchement, ouais. J'essaie de faire de mon mieux, d'avoir une bonne communication avec les clients. Mais il reste toujours souriant, on y arrive. Et pas tout le monde a le petit peps que nous, quand on sort de La Réunion, d'avoir le sourire, d'affronter les difficultés quoi qu'il arrive. Quoi. Comme on arrive dans la boîte, on avait déjà une fille avant moi. On avait point de bagalo pour les filles. Donc du coup, on a parlé avec mon patron. On a dit, nous avons maintenant deux filles. Dans le milieu d'hommes, d'accord. Mais on a aussi le droit d'avoir des vestiaires, des douches, des toilettes, que pour nous. Mon patron a été attentif à mes réclamations. Et du coup, on a eu des bungalows avec des vestiaires pour femmes, avec nos clés et tout. Au niveau de mes clients, faut dire comme il est. Il est une fille et il est noir. Donc du coup, des fois, il passe pas en fait. Il est obligé, impose à moi dans le sens que oui, il est une fille, mais il peut faire ce métier-là. Comme il a au moins 12-15 clients, il essaie au moins de faire tout le monde, de ne pas l'espérer son athée. J'essaie de faire de mon mieux, d'en sorte à moins. Moi, je me donne une bonne image de la femme, en fait. Parce que nous, les filles, nous pouvons faire ça. De nos jours, il y a beaucoup de femmes maintenant indépendantes, exactement comme moi, là. Aujourd'hui, nous essayons de faire tout pour que les femmes les prennent au sérieux, déjà. Et qu'ils avancent, ils font un bon l'avenir, et voilà. Moi, mais dans le partage de la culture réunionnaise, le samoussa, les achars et tout, le rogaille boucané, rogaille saucisse, carré poulet, la sauce citron, la sauce tomate, le rogaille tomate, excusez-moi. J'essaie de faire tout pour que mes valeurs de La Réunion, que mes collègues et tout, ils essayent de manger, ils essayent d'apprendre des choses sur La Réunion, que c'est pas parce que c'est un petit île tout seul que nous ne l'est pas aussi développé en fait. En fait, la journée de la femme, ce qui représente pour moi, c'est que nous aussi, femmes à l'heure qu'il est, on a le droit d'avancer, d'avoir un boulot fixe et de plus basé sur les hommes. Quoi. Qui dit être secrétaire, chauffeur routier, journaliste même, aujourd'hui, chacun a son métier et chacun expose son métier et ses idées de la vie. Tout le monde a le droit de parler, a le droit de s'exprimer et a le droit de dire non, que nous aussi, nous sommes des combattantes et que nous pouvons y arriver. Mais il n'est pas trop inspiré par la femme, mais la seule qu'il va dédier toute, c'est à ma maman. Dans le sens que il a toujours travaillé pour ce qu'on a nos besoins et il a toujours essayé de faire tout pour que ma maman ne manque pas de rien. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me remercie à elle. Je me remercie à elle d'avoir
tenir coûte que coûte pour ces 5 marmailles aujourd'hui qui avancent. Alors, on a des conseils à donner à eux. Lâche pas l'école, déjà, hein. Et de 2, suivre votre rêve, mais quoi qu'il arrive, parce que moi, je m'ai fait une reconversion professionnelle, mais tu vas être vendeuse, après, m'ont donné pompier et tout. Mais maintenant, je suis chauffeur routier et je m'épanouis bien dans mon métier. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'essaie d'avoir un avenir pour mes proches et je vais faire tout pour que je n'aurai un truc. Je vais essayer de faire tout pour que mes proches les fiers de moi. Ils n'auraient jamais pensé sortir la meilleure déjà. Mais m'a eu un bon coup de pouce et comme il dit, un bon coup de pied. Pour dire, Adélia, fais un avenir, avance, reste pas buté, avance et fais un truc d'autre vie en fin de compte. Tout le monde a notre caractère et il peut arriver si tu te donnes les moyens. Nos femmes, nous les fortes et courageuses, on ne baissera jamais les bras dans les moindres obstacles. Nous souhaitons cette bonne fête pour la journée de la femme. Rayonnaise et brille.